Salut tout le monde, ici c'est Michael. Et là je vais faire une petite vidéo, on appelle ça bonus. Oh peut-être pas bonus, mais une petite vidéo juste pour vous montrer un raid. Comment ça se passe dans Rift. Là en fait c'était un raid demandé pour une quête. Une quête dans la région de Morneland. En fait la quête nous demande de tuer un baron. Justement un des alliés de comme il s'appelle de Rigolas, le baron s'appelle Krivik, c'est un puissant mage niveau 52 je pense au moins, et c'est un mort vivant. Donc c'est une quête qu'on obtient en faisant les quêtes, en faisant justement la série de quêtes à Morneland. À partir du niveau 47 normalement on obtient la quête, et c'est une quête hebdomadaire, c'est à dire chaque semaine vous obtenez la quête et vous la faites pour pouvoir recevoir une des 5 récompenses. Au début vous avez juste cette récompense là, mais une fois que vous l'avez acquise, c'est juste de la réputation que vous gagnez auprès de la faction appelée Ordre de Matos. Ouais, des gardiens. Donc moi je vais suivre. En fait ce que fait ce boss là de particulier, c'est que au niveau des tanks, être un peu chaud, on va voir. Il y a beaucoup de bruit. Ah, ça meurt, ouais. J'espère que... En fait, ce boss, ce qu'il fait de particulier pour le groupe, c'est qu'il envoie des sorts de zone. C'est-à-dire qu'il choisit un joueur et puis il pose son sort de zone autour de lui. Et donc on doit rapidement s'en écarter comme pour, comme normalement dans tous les sorts de zone. C'est passé, il a pas encore commencé non. Et au niveau du tank, c'est qu'il dépose, il fait un, en fait il pose une malédiction sur le tank principal. C'est pour ça qu'on conseille d'en avoir 2 ou 3. Comme ça lorsque le tank principal a la malédiction, le tank secondaire récupère l'attention du boss. Le temps que la malédiction disparaît chez le tank principal. Et lorsque le boss pose sa malédiction sur le tank secondaire, et bien le tank principal récupère l'attention. Et ainsi de suite. Et dépendamment du groupe de soigneurs qu'on a derrière, on peut avoir besoin de 2 tanks. Pour l'instant, voilà, vous voyez, c'est ça le sort de zone, ici là. Donc, il faut vraiment s'en éloigner. Comme il y a lui là, le soigneur qui est dedans, je ne sais pas pourquoi il pas pourquoi il ne sort pas de là. Bah, j'imagine parce qu'il est occupé à soigner le tank, donc parfois on ne pense pas trop à soi-même là, dans ces genres de cas là. Je vais essayer de mettre une meilleure position pour que vous ayez une vue d'ensemble. Et ah, vous voyez comment ça fait mal? Vous avez vu? Nous devons éviter de s'y mettre quoi. Ah, malheureusement il y a mon familier qui s'est pris de gros dégâts, mais on est en train de le soigner. Il faut que je le déplace. Malheureusement, il n'y a pas la seule manière de le déplacer, c'est de... Ah, il est agressif. Ok, ouh, ça va être chaud. Ah, merci au soigneur, c'est en train de le soigner. Bon. Ouais, waouh. Il faut que je le déplace. Je vais le déplacer. Voilà, comme ça, ça évitera qu'il... Comme ça, les soigneurs pourront se concentrer sur... Ah ouais, il y a aussi, pendant le combat aussi, c'est que... Il y a des... Voilà, des ads. Et qui passent leur temps à embêter les soigneurs. Donc, nous, on va s'occuper... Moi, je vais m'occuper de ça avec les autres. Ah, le boss est déjà presque quasiment mort. Ouais. Et c'est ça mon interface générale. Et là en fait j'ai réduit la résolution. En fait j'ai réduit la résolution de l'écran pour pouvoir avoir on appelle ça, pour éviter justement que j'étire la vidéo lorsque je la compresse avec Sony Vegas.
Voilà, on a fini. J'ai eu un exploit qui a été envoyé directement sur ma page Twitter. J'ai pas encore configuré mon pour. Bah c'est tout en fait, je vais remercier tout le monde et puis. Et je vais valider ça. Donc c'était ça, c'était assez rapide. C'était bien, attends, il y a un truc à prendre ça. Je vais aller vendre ça de toute façon. Ah, je peux, ok. Donc voilà. En fait, ça, voilà, ça c'est le deuxième raid dont je vais parler qui s'appelle la rivière des âmes. Vous voulez voir l'intérieur? Je vais voir, je vais vous montrer l'intérieur. Rapidement. Ouais, en anglais c'est River of Souls. Ah! Bah, en tout cas, je suis un exploit. Donc, voici la rivière des. Comme vous pouvez le voir. Ça c'est. Attendez, on va cacher l'interface. C'est lugubre, hein? Ouais. C'est une instance reliée au plan de la mort. Un jour je ferai ça. Avec ma première guide, j'ai pas eu le temps de le faire. Je vais ressortir. Et je vais essayer de vous montrer là où se trouve. Attendez. Avant que les gens ne quittent le raid. J'espère qu'il n'y a pas assez de monstres. Enfin, qu'ils ont eu le temps de tuer les monstres. Comme ça, je pourrais vous montrer. Le premier raid qui s'appelle Vertekai, relatif au nom du boss final de ce raid là. Ils sont en train de tuer des monstres élites. C'est pour ça que c'est assez difficile de venir ici tout seul, dans ce château là. Parce qu'ici il y a des mobs, il y a des mobs, il y a des monstres, il y a des monstres, et puis à partir de là il y a des monstres élites. Donc je vais juste montrer l'intérieur. Et voilà. Ça commence comme ça ici. Vertekai, c'est une espèce de gros dragon. Une sorte de mélange entre une chauve-souris au niveau des ailes. Comme tous les dragons en fait, c'est dragons occidentaux en tout cas. Et une sorte de, comment on appelle ça déjà, caméléon. Donc c'est, on va pas aller plus loin parce qu'on va se faire. En fait, il y a un event au début de l'instance là. Il y a des personnages qui faut, et quand on s'approche d'eux, il y a un event qui se lance et ensuite on est téléporté un peu plus loin. Je vais voir si je vais me faire tuer tout de suite, mais normalement c'est ça. Moi, ce qu'ils échangent, ça. Voilà, le prince Ilias. I have come too far to allow the likes of you to meddle with my plans. My lieutenants shall make quick work of you. To arms. Voilà, j'étais téléporté. Et bien sûr, j'étais assommé. Et voilà comment ça commence ici l'instance. Je vois, voici comment. Voilà. J'ai jamais fait, donc j'ai vu quelques vidéos, donc je peux pas vous indiquer exactement. Est-ce que si j'arrive au bout là-bas, c'est là où se trouve. Non, je pense que c'est sûrement dans une espèce de grotte là qui s'ouvre, porte de grotte. En tout cas, il y a une entrée ici. Et là, c'est caché parce que je suis pas encore allé là-bas. Donc... Non, c'est ça. Les mobs, les monstres sont au niveau 52, voilà. Et bien sûr, ils font très mal. Vous avez une exclusivité? Ok, je vais mourir. L'attaque! Attends, je vais mettre mon pet. Hein. Je vais mettre mon pétain, voilà. Enfin, je vais mettre mon familier en mode char d'assaut. Ok. Il va pas rester longtemps, mais. Attendez. Ok. Ok, je lui ai mis les améliorations que je pouvais. Je vais mettre un peu parchemin d'endurance. Je pense que j'en ai encore. Voilà, je vais en mettre. Au moins il va rester au moins. S'il peut au moins rester encore vivant en... sur deux attaques, ça devrait aller, mais vu qu'ils sont trois. Allez, même pas peur. Go! Vas-y, attaque bébé. Attaque, 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 attaque.
Hey, j'ai donné un coup! J'ai donné deux coups! Ah, j'aime pas Rumus. Ok, on fait la marche. Respawn? Non, bah, respawn, ça sert à rien de toute façon. D'utiliser la marche. C'était juste ça. Voilà, ça où j'ai réapparu à côté. Hey, attends, il m'a fait réapparaître et tout. Oh non, moi aussi. Pourquoi en fait je suis encore dans le château? C'est vrai que j'ai des quêtes à faire ici. Mais on est ce qu'ici. Ouais, ça c'est la partie où il y a des élites. Ça va être chaud. Attends, on va trouver une technique. Je vais continuer à fumer jusqu'à ce que je sorte d'ici. Et ensuite je vais arrêter et continuer mes quêtes. Ah, déjà je vais rappeler le petit. Attends, où sont les autres? Ah, ils sont ici. Ce sont je pense qu'ils sont probablement en train de faire des quêtes aussi. Ou alors... Ah non, ils sont juste en train de rentrer, puis ils sont en train de tuer les élites qui parsèment le chemin. Ok, bon. Donc on va on va mettre les améliorations. Ah, c'est vrai, je ne l'ai pas encore présenté. Ça, c'est Firsi, c'est mon personnage principal sur les serveurs américains. D'où l'interface en anglais. Parce que justement, vu que j'utilise des macros ici, les sorts sont en anglais. Donc, quand je suis patient, quand je mets l'interface en français, eh ben, les macros sont pas adaptés en français. Donc, j'ai des erreurs au niveau d'un macro parce qu'il ne reconnaît pas le sort. Donc, j'ai mis ça comme ça. Donc, elle s'appelle Firsi. Attends, je vais vous la présenter. Attends, voilà. Bon, la lumière n'est pas excellente, donc on peut pas bien voir le visage. Donc c'est elle. Ça c'est mon titre. Harbinger. Harbinger. Vanilla Tamer. Ça c'est des... En fait, on obtient des titres en faisant certaines quêtes ou bien en accomplissant certains exploits. En fait, là je peux justement... Attends, je vais vous montrer.